Et Bonnard, il y a du soleil. Il y a du soleil dans ces tableaux. Alors souvent, à Télématin, on vous parle de très grands coloristes, surtout à cette époque-là, au tournant du 19e siècle, de très grands coloristes. Et Bonnard, vraiment, en fait partie. C'est absolument somptueux. C'est à Giverny et on y va tout de suite. Quand Bonnard arrive à la région et choisit cette petite maison sans aucune prétention, qui a une très très belle vue sur les bords de Seine, qui s'appelle la Roulotte. C'est une des caractéristiques de la Roulotte, c'est d'avoir ce petit balcon qui est récurrent dans les œuvres peintes par Bonnard. Et c'est un des repères les plus faciles pour identifier les tableaux peints ici. Marthe, c'est l'épouse de Bonnard. Il ne se lasse pas de la peindre nue, habillée, à table. Elle fait partie complètement de la peinture de Bonnard. L'univers de Bonnard, c'est la vie de tous les jours. C'est le chat qui passe dans le jardin, c'est Marthe qui cueille des fleurs, ce sont des livres posés sur une table, c'est une fenêtre qui ouvre sur le jardin et sur la Seine. Bonnard est quelqu'un qui adore observer. Il se promène tous les jours, il prend des notes dans son petit carnet de croquis. Et puis, quand il se met à peindre, eh bien, il transpose tout ce qu'il a vu. Et c'est, je dirais, ces petites choses observées prennent une dimension absolument étonnante. On voit une forme d'impressionnisme dans l'œuvre de Bonnard, notamment dans certains paysages des tout débuts de cette période normande. Ensuite, Bonnard évolue vers un style toujours de plus en plus épuré. La couleur est essentielle dans l'œuvre de Bonnard. C'est vraiment elle qui construit le tableau. Par exemple, le tableau La Terrasse à Vernonnet montre un paysage qui pourrait être on ne peut plus classique, mais qui, par l'effet des couleurs et des harmonies, des contrastes quasi fluorescents dans certains cas, sont tout à fait étonnants de modernité. Bonnard a souvent peint les fenêtres. Les fenêtres, les miroirs sont des métaphores de la peinture en fait et permettent d'unir l'intérieur, l'extérieur et de faire une sorte de synthèse de l'univers. Alors Bonnard est certainement un des plus grands analystes de la couleur et du rôle de la couleur dans la composition. C'est véritablement quelqu'un qui n'a pas renoncé à la représentation du réel, comme l'ont fait beaucoup d'artistes au XXe siècle, mais qui a, avec énormément de subtilité, transformé tous les codes, je dirais, de représentation de l'espace et de la composition du tableau. C'est vrai qu'il a l'air d'un peintre japonais là, quand on le voit. Il a un petit côté comme ça. Il faut savoir que Bonnard était complètement tombé dans les oubliettes après son décès, parce que la famille, les ayants droit, vous savez comment ça se passe, les héritiers avaient eu du mal, enfin ça avait posé des problèmes, donc on ne l'a pas exposé dans les musées, donc complètement passé aux oubliettes. Et Bonnard maintenant est vraiment ressuscité, j'ai envie de dire. Et tant mieux, parce que c'est un très grand peintre. On ira au Canet dans son musée, dans le sud de la France, pour voir justement. Mmh. Alors là, c'est à Giverny, en attendant, musée des impressionnistes, jusqu'au 3 juillet. Merci beaucoup, mademoiselle. Le Radio Web a quelque chose à vous dire. Ça concerne...